Nou salwe tout moun ki, um, ki la avè mwen, ni moun ki la lokalman, ni moun ki la egalman euh, nou nou nou, e, ya, an direk. Nou salwe nou nanon, Seigneur Jezu. E jodi ya ankor se yon, yon lòdjou kote ke nou ge poside pou nou kabab etudi la parol de Diyo. Nou vleye pou nou kabab wou mersyo, porsi ke ou deside e ban nou yon pati nan tan ou. E nou ka anso ke... Tant ke nou pase al etude de la parol de Dieu Pa jam perdi e Pa jam perdi porsi ke Bon Dieu gen de verite a chak fwa ke nou fwe paroli Li gen de verite ke nou vle montre E Objektif nou jounen joudi a Se pou nou kapab asure nou ke Apre etude sa ke nou wale fwe Ne moun ki la lokalman Ne moun ki la egalman An dire ka ven nou sou internet Pou nou kapab recevo a benediksyon De la par de Dieu E ke Lorske nou soti la, nou soti avek e plat nou rempli avek le pen vivan, l'o de vi. Juste amman kon kon komanse, an nou koube det nou pou an kou de prier. Noutou sinon noutou diyo an se mouman, nou vle diou mersi porsi ke ou ban nou potsinite pou nou, nou, nou la. Prophétie. Nou vle diou mersi porsi ke ou ban nou la profesi. Nou vle diou mersi porsi ke ou ban nou posibilite pou nou kabab apren, pou nou kabab kebe kon nou an sante. E nan mando pou pwemet ke chak sa nou apren, nou pa jist nou pa ki te entre nan zore soti nan lot, men pluto pou nou kabab aplike li nan la vi nou de chak jour, e konsa nou va e, asyre nou ke kou nou e nam nou yo va prepare yo pou yo rekontro, e egalman yo va santifi ase pou yo kabab utilize yo pou la propagasyon de ton mesaj, ou nan de jesu nou priyo, amen e euh... Nous, toujours, ouais, nous, ouais, que nous parlons nous à travers de la série, série que nous parlons à travers de c'est on sait qu'il y a un rapport avec la réforme sanitaire et également euh, et également le message des trois anges, le message des trois anges. Et, et ça qui est important pour, pour nous, surtout, c'est le message du troisième ange, parce que c'est lui-même qui a pas... tan ki ap fèm nou konen ke gen yon mok de la bet kap veni, pou nou prepare nou pou nou pa apren mok de la bet sa. Non ki lè trez important. E se sa k fè, premiye sitasyon ke nou toujou lè avèk ou, premiye sitasyon ke nou toujou lè avèk ou, se nan evenman de dènyè jour, se nan evenman de dènyè jour ke nou toujou lè avèk lè, nou toujou lè avèk ou nan evenman de dènyè jour, paj 65 paragraf 3, ki di, il m'a etè montré ke la reforme sanitaire Fait partie du message du troisième ange. Donc, il important pour nous capable de faire connexion entre la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Et c'est la Bible même qui enseigne ça. Parce que dans 3 Jean 2, nous toujours lisons ensemble. Il li dit Bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, bon Dieu, il est intéressé à la santé spirituelle nous et également à la santé physique. nous. Pwa se yo konekte. E nou suppose pou nou asuge nou ke nou kapaba. Nou kapaba euh, pa kite bon. Pa kite grase ke bon zyon vede vese ve, sou nou an. Pwa nou pa kite yo pase. E egalman e, nou wè ke mesaj du, du 3e anj lan. Impotant se si li gen. Pwa se li di wazak se li men ki le sel espo de salu pou un moun de ki peri. Le mesaj du 3e anj se le sel espo de salu. Pou ki sa pa se ke an kon nam di gen yon mor de la bet ki gen pou promulge. E se mesaj sa nan apokalips 14 versen 9 a 12 yotou ki re le moun yo kapab soti nan Babilon pou yo pa pran mor de la bet sa. E ki konten nou jwen mesaj sa se nan le liv d'apokalips. Donk liye portan pou nou kapab etudye liv sa. Men nou pa kapab etudye nan mitan liv, mitan liv la san ba etudye komansman liv la. Et c'est ça qui fait que nous voyons résumé étudier les 7 églises de l'Asie mineure qui commençait quand nous l'avons mentionné depuis l'Apocalypse 1, verset 11. D'ailleurs, nous voyons Ephèse, nous voyons Smyrne, nous voyons Pergam, nous voyons Thiatire, nous voyons Sade et maintenant, nous voyons nou plutôt Philadelphie. Nous voyons première partie Philadelphie déjà et nous voyons comment bon Dieu présentait l'église de Philadelphie Et important ce qui fait que nous sommes obligés d'étudier cette église parce que vous le peuple de Dieu à travers l'histoire. Et jusqu'à présent, on vivre l'histoire de la terre. Dans le conquérant pacifique, page 521, paragraphe 1, nous te dit que disons, les noms des sept églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Et parti en bleu, il dit le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Donk nou suppose etudye l'Eglise sa yo Eksperyans ki yo te fe Tan la kouse de Diyo Pou ke nou pa komet mem eror ki yo te fe yo Pou ke nou pa subi mem konsekans ki yo subi yo E egalman pou nou asyre nou ke Pou nou suiv sa ki bon ki yo te fe E kon sa nou pal ju de benediksyon ki yo te ju a egalman Jame toujou di Ge de l'Eglise solman ki pa djwen wè pochame bon Diyo De l'Eglise solman Qui a sauté? C'est Smyrne et puis Philadelphie. Et actuellement, là, nous allons étudier l'église de Philadelphie. Je veux assurer que nous tous ensemble, nous tous ensemble, parce que bon Dieu, il présente une façon particulière à l'église de Philadelphie. Et façon ça, lorsque nous nous dans la Bible, nous avons importance, nous avons pour qui ça bon Dieu présente ainsi à l'église de Philadelphie. Verset 7, il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. On va obligé de montrer nous qui ça, un ange, vais dire dans la Bible, un ange, c'est un messager. Nous lu ça. Nous avons des te textes que nous employé employés. Apocalypse 1, verset 20, qui montre que un ange, c'est une étoile, ou encore une étoile, c'est un ange. Et nous, également, les hommes de Dieu, serviteurs, bon Dieu, qui a prêché la justice à travers la terre entière, c'est également des étoiles. Donc, mais un ça, un ça, dans l'église de, de Philadelphie, ce sont les messagers de Dieu qui supposaient prêcher parole, bon Dieu, à travers la terre entière et en tenant compte de l'expérience de Philadelphie. Très important. Et Jésus également, il présentait à l'église de Philadelphie comme étant le saint et le véritable. Quoi? Le saint et le véritable. Nous avons pour qui ça il à l'église de Philadelphie comme étant le saint et le véritable. Nous avons un rapport avec le jugement dernier. Nous un texte que tu avons dit avant. Apokarib 6, verset 10, ki konfirme sa. E egalman li prese komete, selu ki a la kle de David. Sil gon kle, sa ve di ke geyon kay ki pouve. Ba vre? Darye, li pou al konfirme sa, parce li, li di geyon pot, li di ki ou selu ki ouvre, e person ne fermera. Selu ki ferme, e person nouvira. Sa ve di ke kle sa, li ge akse a yon pot. Pot sa, lel ouve, moun baka femel. Lel femetu, Moun baka ouvel E yon ilustrasyon Ou ankor m vle rappele nou L'exemple de l'eksperyans de Noye Lors du, du deluge Lorske Noye entre nan lacha Avek famili Yon 8 te an nan lacha 8 hume te an nan lacha Lorske anje ferme, ferme pot la Moun lorske la pi koman sito bekonya Moun vin frape Men Noye di ko sa m baka ouvel pou nou Paske lange bon die te ferme pot la De menm tou Gwe yon pot ki ouve aktuelman la Pot sa Pa ge moun ki ka femel sou vle entre Li ouve pou ou? Sou vle entre pa ge moun ki ka femel De menm tou Ou menm moun ki ka femel pou te toutou to. E nou palwe sa E malorizman pou ma ajoute sa Gwe de li deor deglize Ki feme pot la pou mambyo Pas yo pa ensegne yo Nou palwe sa talen L'eglise de, de Ferdelfi E nan verse 8 maintenant C'est là plus nous allons le focus, vers les versets 8 et 9, nous allons le focus sur ça aujourd'hui. Hein? Côté que, bon Dieu, les poils parles... les parles... les féliciter l'église de la Odyssée à cause de ça, le fait qui bon. Dans verset 8, il dit Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Jè mi devan to a yon, yon pote ouverte ke person ne pe ferme. Sabi se devan yo? Yon pote ouverte ke person ne pe ferme. D'ailleurs, nou te wè ke pote sa ki ouverte li gen rapor avek le liye tre sen. Avek ki sa mzi? Avek le liye tre sen. Pou ki sa gen rapor avek le liye tre sen? Pon se ke nou te wè, depi nan l'epok de l'Eglise de Sorde, l'Eglise de Sorde li wè li avèk le tan de la fin ki komanse depi 1798 avèk la kaptivite de la papote. Mbap ge tan touche suje sa anko. Si nou pa a sonje yo, si nou pat si ge tan gade yo, nou met a gade mesaj ke nou te preche yo. Anvan, yo sou Youtube, yo sou Livestream, ou mwen ale sou website nou, mesajedeverite.org, wap wè yo, al gade yo, wap komprende ke e, peryode sa, li gi rapor avek le tan de la fin ki komanse depi 1798, e an 1798 depi le sa, gi yon mesaj te soupoze preche. Il était supposé prêcher le début du jugement investigatif qui commençait le 22 octobre 1844. Message, ça sa a été commencé à prêcher par William Miller et ses associés qui auraient les millérites. Il nous a dit que l'écriture de Basio, verset de Basio, c'est Daniel 8, verset 14, qui dit Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Et lorsque nous prenons ça, nous étudions à travers la Bible, à la lumière de la parole de Dieu. Verset ça, nous avons commencé depuis l'an 457 avant Jésus-Christ, lorsque le roi attaque Zersès, il puis pour reconstruire Jérusalem et puis il a abouti. En An l'année 1844, plus précisément le 22 octobre, ki pou al coincidir avec le début du jugement investigatif. Moun ki pa habituye avek e verite sa yo, nou met alou gade mesaj. Alou gade mesaj. Gome sa ki, ki, ki titre Daniel 8, verset 14, la base de notre foi. Et nam komprende, La prophétie des 2300 soirs et matins n'a pas vraiment le jugement investigatif qui commençait depuis le 22 octobre 1844. Donc, cette porte. Cette porte qui ouvrait un rapport avec le lieu très saint parce que les, depuis le 22 octobre 1944, nous avons le passage de Jésus du lieu saint au lieu très saint donc c'est le lieu c'est le lieu très saint maintenant du sanctuaire du sanctuaire céleste non pas du sanctuaire terrestre Donc, objectif, bon dieu, avèk l'Eglise de Philadelphie, surtout, li te vle pou kapab attirer atensyon yo ou di komandman, porsè ke te gen yon periode de teneb ki te envahite ya, avèk infiltrasyon de la papote dan l'Eglise, la papote li te koz ke mounyo yo renye le di komandman, yo, e yo pa nan a fè sabat ankon, men bon dieu te vle pou kapab reitere la verite du sabat ou mounyo de son people, donc, li obige susite yon group de moun pou tout d'abord al ba lumièr sou lè 2003 sa soye matè porsè ke lè milerit malouzman yote predi yon mouvè evenman pa erreur malouzman e vre evenman sè te lè passage de Jésus du lye sè ou lye tre sè donk bon diyo te obi jè susite yon koup de moun pou ka pa preche mesaj sa al fè konè ke depi lè 22 oktobre 1844 e eh bie gen jujman investigatif ki ap deroule dan lè sanktuasyen l'est Et jugement ça, les ont leur poule fini. Donc, de même que les mille ils étaient supposés prêcher début jugement ça, et bien, bon Dieu suscite maintenant l'église, un groupe de gens pour faire vraie explication sur cette prophétie, cette prophétie, et ensuite, pour prêcher également la fin de ce jugement investigatif, mes frères et soeurs. Et actuellement là, nous arrivons dans la fin jugement ça. Pwase ke evenman kap deroule tout outou de nou, montre nou vreman, ke bon, ke le juj, fe juzman sa li rive. E, loske bon, je, te, te abay, te abay, e, te abay pep la, te abay pep la, e, instruksyon pou yo te kapab konstruks sanktyer la, li gon komandman ke li te bayo. Li te bayo komandman pou yo te kapab feryon, orch, orch, L'arche de l'alliance. Parce que, an de teksa, an dan apokalips 3, verse 8 surtout, li di li gon pot ke mette devan yo, yon pot ki ouve, e ke person bak a feme. Pot sa ki ouve, se le sanktuer seleste. E la pot rejan, loske le temp de die ouve, nou te li sa, nan apokalips 11, e le verse 19, loske pot la ouve, jan di li te ou bagay. An ala vek teksa kon yan la. Apocalypse chapitre 11 et le verset 19. Nous garder pour nous garder pour nous voir pou qui nou ça, Jean Téwe. Jean l'arche de l'Alliance, lorsque bon Dieu t'a ouvert pour ça. Apocalypse 11, verset 19. Cela nous parle de lien entre le message que nous avons prêché fois avec le message Jodia pour nous continuer avec l'église de Philadelphie partie 2. Parce que ça nous parle de Philadelphie partie 1. Jodia nous parle de Philadelphie partie 2. Le temple de Dieu était ouvert. Verset 19, il dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Et il y eut des, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, lorsque le temple s'est ouvert, qui s'est jeté J'ai t'étais oué l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, nous te les tables du témoignage. Les deux tables de pierre. Et qui s'a écrit en deux tables de pierre sa eau, c'était les dix commandements. Et nous, voyons que bon Dieu, il te voulait entrer en alliance avec le peuple d'Israël lorsque il te baillait les dix commandements. D'après Exode 19 et également de Théodome 4, bon Dieu te voulait entrer en alliance avec eux. De même tout, lorsque bon Dieu réitéré les dix commandements, bon Dieu voulait également renouveler maintenant cette alliance avec un groupe de monde, Jodia Et ce groupe, c'est l'Église Adventiste du septième jour. Parce que, dans Apocalypse 14, verset 12, bon, Dieu fait une déclaration. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui font quoi Qui gardent les commandements de Dieu, les dix commandements, et qui ont la foi de Jésus. Et également, Apocalypse 12, verset 17, qui dit que, et le dragon fut irrité contre la femme. La femme qui a rapport avec l'Église, d'après Ephésiens 5, verset 23, 24, 31, 30, 31, 32. Il y a une femme qui a l'église. Et le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est l'église. Le dragon, c'est Satan. Et il s'en alla, ce dragon même. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Et ça fait une période de l'église du reste. Le reste de la femme. Le reste de l'église. L'église du reste. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance à ceux qui gardent les commandements de Dieu, les dix commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Et d'après Apocalypse 19, verset 10, il dit Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, l'église qui a prêché, ou encore l'église qui a prôné les dix commandements, et également qui a prôné aussi l'esprit de la prophétie, l'église, ça, c'est l'église adventiste du septième jour. D'ailleurs, nous connaissons que nous gagnons comme. E mesajer nou, profetes, se Ellen White. E an pil moun malouzman, yo wèjte le zekri de Ellen White. Mem moun ki profese ke yo Adventiste, yo wèjte le zekri de Ellen White. Men an pil fwa mwande yo ki sa li dik pa bon. Yo wèjte mwen ta montre. Sa ke yo wèjte malouzman, yo wèjte le test de vre profet ke la Bibbay. D'après Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 3, la Bible bâille qui Jean pour capable tester pour si un monde c'est un vrai prophète ou bien c'est un faux prophète que lié en femme. Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome 13, frères et sœurs, les versets 1 à 3, pour nous capable lire le test d'un vrai prophète dans la Bible. Deutéronome 13, frères et sœurs, les versets 1 jusqu'à 3, en nous lit ensemble. Est-ce que nous jouons? -nous? Moun ki online yo, nou jwen ni? Mwen kwa ke nou jwen ni? Ok. Sil eleve, sil se eleve plutôt, o milieu de toi, un profet. Sil se eleve o milieu de toi, un profet ou un sonjeur. Un kwa? Un profet ou un sonjeur. Donk sa ve diyo ke nan teksa, yo, yo mette profet e sonjeur nan menm banye. Donk yo moun ki a, yo se vwa, yo yon vizyon, yo yon sonj. ou encore des rêves de la part de Dieu pour révéler un événement. En nous lit encore verset 1er, il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux ça veut dire que prophète ça il annonce un so signe il annonce so vision il annonce un so événement et événement passé Jean te dit mais mon Dieu, bon mise en garde il dit comme que il dit allons il dit Simon ça dit dont il a parlé en disant allons après d'autres dieux dieu avec tidée maintenant Ave di si moun sa, Pendan ke l fin anonso vizyon sa, Pendan ke l fin anonso sin sa, Ou evenman sa, E ke li djou anal adore on lot djou, Ot ke djou kreator du siel, E de la ter, E de sou se nou, Je nou li nan, 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 nan exot chapitre 20, E egalman da apokalips 14, Bon diwa ba komotman li, Li di kousak, De djou, Que tu ne connais point et servons les servir et servons les à elle elle servir l'autre dieu autre que dieu créateur qui ça a pour fait lui dit tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'éternel votre dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel et on continue à lire. Si vous aimez l'éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Et la parole de Dieu dit, dans Jean 14, verset 15, Jésus dit Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et d'ailleurs, le fait que le prophète ça... lui met non pour adorer l'autre Dieu, et donc, le prophète ça... lui cause que ou, ou ignorer, ou encore ou rejeter au moins, il y a un commandement. D'ailleurs, il y en a un commandement qui, qui, qui dit comme qu ça que tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, le premier commandement. Premier qui dit ça. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc, lorsque nous considérons une religion sous terre ou encore un groupe religieux qui cause que nous que, que nous bassons si devant des saints maintenant, est-ce que y a un prophète qui sortit dans la religion ça est-ce est -ce que c'est un prophète de l'éternel que lié? Non 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 non. Lorsque Yomoun dit c'est prophète que lié et puis il ou pas besoin, ou pas besoin à l'Église samedi, ça va pas important. Alors que, yon y un commandement qui dit comme ça, que il faut observer le sabbat, quatrième commandement, Exode 20, les versets 8 à 11, faut observer le sabbat. Donc si ou un monde qui dit son prophète que lié et puis li cause que ou a pourhésité au moins y a un commandement, bon dieu. Yo, eh bien ça c'est un faux prophète que y est. qui c'est différent de Helen White oui il y a des songes des visions que le bail il y a pas ces gens que prophétisés. mais en même temps il prônait il promoutait les dix commandements donc Ellen White c'est une vraie prophétesse c'est la bible frères et sœurs le test d'un vrai prophète le test de vrai prophète et malheureusement en pile monde qui rejeter les écrits de la il n'y a pas jamais et c'est la bible qui dit ça que examiner toute chose on pas à faire une conclusion sans qu'on pas examiner frères et sœurs faut faire attention il faut examiner la parole de Dieu ça fait dans Deutéronome 13 son texte que supposait toujours gagner dans mais nous pour que lorsque yon moun, les gens porter une vision, ils ont un nous. pour qu'ils assurent que vraiment songe ça, vision ça, les de bon Dieu. Parce que Satan fait, fait des prodiges également. Au dernier jour, surtout d'après Apocalypse 13, verset 15 jusqu'à 17, ou quand commence depuis verset 11 même, jusqu'à verset 17, il dit que Satan est pour faire des prodiges. Apocalypse 16 également, verset 13 et 14. Satan gen pou fè de prodij pou kapab pou kapab sèdoui les abit de la tèr Donk sa vè di ke nou baka kwen an prodij moun selman Non, 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 eske moun sa li, li promote ou ankor li menon ver lè di komandman an menm tan Frèze sè, nou va rapatse sou sa yo Nou oblige pou mwen gen de poun sa yo ki trèz important frèze sè Et on retour, nous retourne maintenant dans l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, côté que je me dis que c'est de l'église que bon Dieu va faire reproche. Combien l'église est de l'église Il pas faire reproche à l'église de Smyrne et également à l'église de Philadelphie. Donc Philadelphie sont l'église pour nous capables d'étudier vraiment très bien. Pour nous étudier bien. Donc, bon Dieu Jean dit nous que bon Dieu qui ont porte les ouvert devant l'église de Philadelphie à cause de bons que vous faites. Et porte ça, je nous dis, l'a menait vers le lieu très saint. Pour qui ça? Parce que, d'après Apocalypse chapitre 11, verset 19, lorsque porte l'a ouvert, Jean-We -oui, qui ça? Jean-We -oui, l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, qui, qui côté que l'était trouvé? L'était trouvé dans le lieu très saint. Nous avons confirmé ça. Ali, Exode 40, le verset 20, l'a confirmé ça, frères et sœurs. Également, Exode chapitre 25. Confirmez ça, tout. Que l'arche de l'alliance, est trouvé dans le lieu très saint, frères et sœurs. L'arche de l'alliance. Exode 40, verset 20. Également Exode 25, verset 21. L'arche de l'alliance. Ça veut dire que lorsque porte s'est ouvert, porte s'est terminée nous vers le lieu très saint. Et c'est ça qui fait que nous disons comme ça que lorsque, dans le moment ça, et eh bien, Jésus, maintenant, il est passé du lieu saint au lieu très saint. Fradel fi metenan. Fradel fi. E sanktyor sa, li, li, li te yon kopi du sanktyor selest ke Moise te recevoa. Nan exote 20 verset 40, bon diyo bon, bon di Moise kon sa ke, al kon su sanktyor la suivan model ke ma kontro sou montan la. E nan ebwe 8 verset 20, li diyo sa ke, Donc, ça, tèya, model sa fe dapre de chose selest. Don, menm sanktyor sa ki te gen sou te ya, gen yo model kon sa dan le siel. aussi important, et comme et, et Sanctuaire Céleste n'est pas fait avec des médiums, ça veut dire que, pa que n'est pa pas jamais passé, parce que ça s'est pas jamais passé. Il est toujours. Et même quand tu as une purification que tu supposée supposé faire dans le, dans le Sanctuaire terrestre, le jour des expiations, tu une purification également qui est supposée faire dans le ciel, dans, 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 dans type du jour des expiations. Et d'après Daniel 8, verset 14, eh bien, le jour ça a le 22 octobre 1844. Frère et je m'assume Ma que je mette fondation message sa. Parce que nous parlons pas la profondeur. Profondeur message ça. Eh bien, même Jean-Bon Dieu est à Israël. Ça me fait nous connaître. Dans Exode 19, verset 5. Nous lisons ça avant hier soir. Exode 19, verset 5, dit tout ça que lorsque bon Dieu te à Israël, les dix commandements, il était entré en alliance avec eux. Ça te fait Il était entré en alliance avec eux. Et de même que il était entré en alliance avec eux, eh bien lorsque bon Dieu, il vient également, il vient réitérer les dix commandements depuis... Le lendemè de 1844, le lendemè de 22 octobre 1844, bon, Diyo egalman li entre en alians avèk yon groub de moun egalman. Groub sa ki a promote osi le di komandman de Diyo. Answit fwase se, Gyo bay akite pase, loske jan, loske pot sa te ouve, bom, bom konsidere le pase avan. Lorsque bon Dieu, bon, Dieu, bon Dieu t'a proclamé les dix commandements, il y qui t'est passé. Exode chapitre 19. On nous lit ça. Exode 19, ça qui t'es passé. Tu te as des éclairs, des tonnerres, des de terre. On nous assure que nou la Bible di a dit ça. On nous lit déjà. Mais on nous assure nous que les monde qui l'a ensemble avec nous, nous capable capables de la même ligne d'idée. Exode 19, frères et sœurs. Verset 16. Qui ça dit Il dit le troisième jour au matin. Il y eut des tonnerres, des éclairs et une puissante nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. T'es tremblement de terre, frères et sœurs. La montagne tremblait. Verset 19 également, il dit on trouve un qui t'a retenti. Quand on a un comparé avec ça avec Apocalypse 11, verset 19. Pour nous, c'est le même événement qui t'a produit lorsque, lorsque le temple de Dieu était ouvert devant Jean. Apocalypse 11. Verset 19. Qui ça le dit? Il dit, et le temple de Dieu dans le ciel maintenant, dans le ciel fut ouvert, et l'orge de son alliance apparut dans son temple, et il y eut quoi? Des éclairs, des éclairs aussi, pas vrai? Des éclairs, hein? des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, la montagne été tremblée également dans Exode 19, un tremblement de terre et une faute grêle. Ça veut dire que. Bon Dieu, les poils aussi entrer en alliance avec ce peuple pendant que les poils réitérer ces dix commandements. Exode 19, on confirme ça. Exode 19, verset 5, qui ça le dit? Verset 5 dit Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez quoi? Mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples quand toute la terre est à moi. Vous resterez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et puis il dit même paroles que Paul dit avec le peuple. Ça veut dire que bon Dieu est entré en alliance avec le peuple d'Israël au moment que le Paul Bayo s'est dit commandement que nous parlons dans Exode 20, verset 1 à 17. En plus, nous connaissons déjà. Donc, bon Dieu, es entré en alliance avec le peuple d'Israël. De même tout, bon Dieu est entré en alliance avec un groupe spécial au moment que peut réitérer les dix commandements après ténèbres que la papauté t'a fait semer sur la terre avec ses fausses doctrines. Porske la papote te, te, te renyen Pendan 1260 ane Kote ke yo te opprime vre kretien yo Yo te asru yo ke Saba Li entre nan tou Et Dimanche li te renyen Malouzman E se sa ki fè jounen jodia Nou epi fò moun ki kretien Yo di yal legis Dimanche Dimanche vin populè E pi le Saba li entre nan tou Plis moun al legis Dimanche Que monde qui est à l'église samedi. Mais je si c'est vous même qui est condition ça, je dis, vous connaissez que. Dis comment je ne vais pas mentionner dimanche même. Le dimanche n'est pas le sabbat. Le sabbat, c'est samedi que lié, e, frères et sœurs. D'ailleurs, sur le livre de livre catéchisme, le livre catholique, il fait connaître que le jour, c'est sabbat. premier jour plutôt, c'est dimanche que lié. E. Et le septième jour, c'est le sabbat. Et il faut connaître avec propre force pour être payé. Il l'église qui fait le même L'église qui fait. Donc qui est ce qu'on va suivre on suiv, les hommes ou bien bon Dieu Dans Matthieu 15, verset 9, j'ai dit que en vain ils m'honorent pendant y a enseigné comme commandement de Dieu des ordonnances humaines. Ils ont la parole, ils ont fait passer pour commandement, mon Dieu. Qui est ce qu'on va suivre Ou suivre la parole de Dieu Oublie Ou bien on suivre des commandements d'hommes en vain, mon ça a pour nous bon Dieu. Mais si vous ne connaissez pas, bon Dieu, il faut grâce. Acte 17, verset 31, dit comme ça que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, lui demande tout le monde qui tente des paroles pour être capable repentir. Acte 17, oh, je t'aime, l'Il fait ça, mot pour mot pour nous. Je t'aime, l'île, je ne vais pas parler pour nous, je ne vais pas parler avec nous, je ne vais pas parler avec nous, je ne vais pas nous besoin pour nous changer, je ne suivre la parole, bon Dieu, à janvier. Acte 17, verset 30, tout d'abord, verset 30 qui dit? il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à qui À tous les hommes. Êtes-vous un homme, une femme Elles se sont humé. Bon Dieu, par la vôtre. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, tout partout sous terre, qu'ils aient à se repentir. Pour, pour qui ça Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il fera quoi? Il jugera le jugement investigatif. Où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et qui est cet homme que Dieu a ressuscité des morts et que Libali le jugement de la terre? C'est Jésus-Christ. Jean 5 confirme ça. Jean 5, verset 20, verset 21, verset 26, 27. Il dit que bon Dieu, bah, jugement à Jésus. Donc Jésus, il y si avocat nous mais la bret, si rat, avocat, il va plaider pour nous encore. Il pour plaider pour nous encore, il a un juge là, il va prononcer verdict sur nous konya. L'essa, il a deux groupes. Un groupe de condamnés et puis un groupe des élus. Un groupe des sauvés. nan ki goup wapye men freze se. Nan ki goup wapye, gen yon jujman ki a fet aktuelman la, e sa fe le temp de Diyo li ouver, kon ya pou, pou bon di fè nou kapab fokus sou le di komadman, porske maryozman gen yon antite ki vini, ki koze ke moun yo yo wejte le di komadman. Yo di la boli. Aloske, Parole, bon, je dis que tant que terre, ciel si n'a pas passé, il disparaît. pas de Il a de la parole de Dieu. Il y a un Terre a passé déjà, ciel si a passé. Mais amis D'ailleurs, même dans le ciel, nous aurons à observer les commandements. Parce que, sanctuaire, là il n'y a toujours pas de passé. Esaïe 66 dit que, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se poster devant moi, dit l'Éternel désormais. Même dans le ciel, nous aurons à observer le sabbat. Et façon à vivre sous terre, nous une répétition de gens nous supposer vivre dans le ciel. -là. Donc, depuis qu'on y a, il faut observer le sabbat de l'Éternel. Parce que nous aurons à l'observer dans le ciel, mes frères et sœurs. Oh, ça fait bon Dieu vous et message ça, ça. À l'église de Philadelphie. Parce que lui est important aussi pour nous même pas pour nous prêcher même message ça, au monde entier à travers la terre. Apocalypse chapitre 3. On nous tourne là. Apocalypse 3, frères et sœurs. Côté que, bon Dieu, bon un message pour nous prêcher. Parce que le jugement de Dieu est proche. Le verdict. Bon dit ça plutôt, Le verdict du jugement. De Diyo e proche. Boumete pou plus an fase anko. Le verdik final di jujiman de Diyo e proche, prezese. Di proche. Nan ki kan wapye anko. Nou em toujou posik yon sa. Nan ki kan wapye. Gen moun la kapten dem ki se ansyen adventiste. Nou moun doate kite. Men jodi a bonje gen mize yi kod pou li vlo toune vin jwen ni. Toune vin jwen ni. Vene za mwa. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, prenez mon joue sur vous. Fardoa, Fardo bonjour Dieu, prenez mon joue sur vous. Fardo s'en Bonjour, invite venir jouer. Mais ce qu'on et bon nous mission ça. Dans Apocalypse 14, verset 6 et 7, nous mission pour prêcher ce message à travers la terre entière. Oh, Apocalypse 14, verset 6 et 7, qui c'est le message du premier ange. Il dit Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Pourquoi éternel Parce qu'il était là depuis le commencement, je ne et il continue là toujours. l'éternel. Ça veut dire que même l'évangile, ça, il était là déjà. Depuis la création. Donc, comment, comment fait pour s'ajouter aujourd'hui? Parole l'a changé. Alors, ce était là là déjà, il dit son évangile qui est éternel, frères et sœurs. Pour faire quoi? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple qui ça dit. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Et faire quoi Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ces mêmes paroles, nous joignons dans Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. L'Éternel, celui qui créa le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Connecté. Donc le sabbat est connecté au jugement de Dieu. Ça fait à l'heure, Joseph a mentionné les 144 000. Ce sont ceux qui auront le sceau de Dieu sur leur front. d'après Apocalypse 14, versets 1 à 5. Et également Apocalypse 7, versets 1 à 3. Même 1 à 4 même. Les 144 000, ils ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu les connectés au sabbat. Connecté au sabbat. Nous avons écrit ça, Esther chapitre 8, verset 12, 13, Esther 3 également, verset 12-13. Confirmez ça, sauvé trois parties. Le nom, le titre, et puis territoire. Côté que nous n'avons pas. Et lorsque nous allons le quatrième commandement, Exode 20, verset 8 à 11, et bien c'est là que nous avons bon Dieu le nom, l'Éternel, c'est le créateur. Et le territoire, que la part de l'IA, le ciel. La terre, la mer et les sources d'eau. Donc, comment fait déconnecter le saut de Dieu avec le sabbat? Est-ce que tu as mis le saut de Dieu? Si tu as soit le saut de Dieu, eh bien, il est important pour nous connecter avec le sabbat de l'éternel. Oh, frères et sœurs. Et ce message doit être prêché à travers la terre entière. Donc, nous sommes supposés étudier. Livre ça, ou encore étudier message ça, message bon Dieu à l'église de Philadelphie. Cette porte qui est ouverte, porte ça, qui menait au lieu très saint Et en dans le lieu très sain, nous est fourni ce principal là, c'est l'âge de l'Alliance qui gagne en dans les dix commandements. Donc nous supposons réitérer les dix commandements à la terre entière. Réitérer les. Important au salut. Réitérer, frères et sœurs. Donc, bon Dieu mettait devant, de, de, devant Philadelphie une porte qui est ouvert. Il fait la promesse. Dans 3, verset 8. En nous lit encore ça, bon Dieu mettait devant Philadelphie. Qui ça le mettait? Apocalypse 3, verset 8, en nous lit bon encore. Verset 8, en il dit, Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi quoi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça le fait une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il bien dit oui, personne ne peut fermer cette porte mais on joue pour le fermer parce que Jésus a fermé elle-même. Mon monde pas à fermer non, pas l'autre qui a fermé. Mais Jésus a fermé porte là. Mais il peut pas fermé porte là avant que vous entriez. Et c'est ça qui fait ouvert toujours jusqu'à présent. 2 Pierre 3, verset 9 dit qu'on ça que, bon Dieu, usez de patience envers nous toutes, côté que l'esprit que tout le monde va attendu, et puis au sauver, Mais malheureusement, tout le monde va sauvé. 2 Pierre 3, verset 9, qui ça dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use quoi? Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon Dieu veut nous tout repentir. La mando, la plongée, chaque jour, à travers les messages que vous entendez, bon Dieu a plongé, pour repentir. Mais est-ce que je mettais mon nom, jeudi je à la, bon Dieu, longe mille le encore une fois? Enkon yon fwa, es kon vle wèpanti mè fransè ja sèr? Wèpanti fransè ja sèr, wèpanti Sèt pot li ouve, perso nè pou pe la firme E sa m vle fwa wè, sè ke pot sa li ouve Ou pa mè sou pwese ke situasyon li nou yta deplorable Ou rive tro loen ou pa kama mwen kon Sè sa tan ka fwa kont sa ou rive tro loen Non, ou pou kon rive tro loen C'est bon Dieu, c'est Jésus seulement qui a prononcé le mot sans effet. Il suffit que vous sentiez besoin pour capable demander pardon péché et eh bien on peut arriver trop loin. Parce que lorsqu'on il veut trop loin, on ne sentir besoin on pas sentir besoin pour demander pardon à encore. Donc le fait que vous sentiez besoin pour humilier devant mon Dieu pour capable gagner comportement que le peuple a disposé de gagner le jour des expiations et eh bien on peut arriver trop loin. Parce que monde qui va trop loin, on pas même vous même chita pour prendre mon là. Il ne pouvez pas prendre conscience. Il ne pouvez pas prendre conscience même. Donc il suffit vous prenne conscience ou qu'on arrive trop loin. Je mon Dieu, l'on j'aime encore. Est-ce que je vais mettre mon nom en main? Li? Et c'est ça que fait. Nous avons une étude biblique que nous avons fait. Si vous voulez une étude biblique pour être capable de consolider foi dans mon Dieu. Pour être connaître ça, pour pouvoir de pour sauver. Ou kapab e-mail nou, e-mail nou nan mesaje de verite a komersyal gmail.com E-mail nou, ou bi ankon kontakte nou sou, sou a pati de website nou E nan fe etude biblike ansama avek ou Paske mesaje sa, li sou ze preche a trave la ter entier E mem si ou adventise deja, pa di kem adventise deja Ouwi nou tout bezwen li. Pasouke gen pil adventis. Ki ba men moun kon ki dok, doktrine adventis yo men. Malouzman. Gen pil moun ki adventis. Menm le 2300 soan e maten. Yo baka eksplike. Aloske se la base de lotre fwa. Yo baka eksplike li. Donk ou met adventis. Ou met pa adventis. Ou ka bezwen. Ou a bezwen etude sayo. Gen moun kapte dem la ka bezwen. Ou e batem menm. Sou ta bezwen. pour à nous classe baptismal ou contactez nous également contactez nous parce que cette porte est ouverte et me garantis, Jean dit, personne ne peut la fermer personne porte la ouverte qu'on a la porte de la grâce 3, verset 8 dit que bon dieu mettait devant frère Delphi, une porte qui ouverte mais ça qui fait mal là c'est que Pendan ke pot sa ouve, nou genye de lider metenan ki di pa preche mesaj sa Ou ben moun ki ap preche mesaj sa, fe moun yo konen ke jujman proche Ya preche le jujman investigatif, yo di moun sa ou se moun chute yo, yo pa al ten de yo Yo di pa al ten de yo, ou konen sa mam di ya? Ou konen sa mam di ya? Ou, ou konen ke genye de moun yo di nan l'eglizwa, depi ya preche sou apokalips Yo di, nek sa preche to profesi, pa al ten de yo aloske se la profesi ki ap reyouni le pep de Diyo, fran se se. Koman fe konen tan proche, se si yo pa jem montre evenman yo kap deroule yo, la bib bay evenman yo, apotir de Matye 24, apotir de Apokalips egalman, apotir de Livre de Daniel egalman, koman fe konen tan proche? Yo di nou sa ke, de pouwe moun sa ap etude Daniel, Apokalips 3, lison Davidien, yo, yo toube nou nou, non. yo di nou Davidien, Yo di nou sotron. Non! D'ayor, apokalis pwemye verse 1-3 di kon sa ke liv sa ou suppose etudiel kan le tan epwanshe. El digon benedikson pou moun ki etudie liv sa. Donc, êtes un leader, ou encore un ancien, un pasteur, li pa vlog, comme à mettre en face sous live ça, yo. Eh bien, moun ça, a fait porte porte là sa ça pas différent que les pas différent des pharisiens, des scribes, des sadducéens. d'antan. De on nous lit ça, on nous e ça. Matthieu 23. Pour nous, e, dernier message que bon je te baille aux scribes aux pharisiens quand l'école dit dire ça que n'a fermé porte royaume ciel là n'a fermé porte royaume ciel là à Mounio, nous empêcher entrer Matthieu 23 le verset 13 qui ce Jésus dit Jésus qui t'a parlé verset 1 tout d'abord il dit alors Jésus parle à la foule et à ses disciples dit Qui ce qu'il dit verset 13 maintenant on nous lit ça verset 13 dit qu'on ça que malheur à vous scribes et pharisiens qui ça y est Hypocrite. ça y est Hipokrite Poske vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Et vous n'y entrez pas vous-même Et vous n'y laissez pas entrer Ceux qui veulent entrer En pleine oula Nou te deyons moun apreche sou apokalypse Sou la profesi Sou Daniel Nou wè sa ap diabon Mè sa nou fè nalman de lide yo nou Eske, eske ou pou se moun sam da souzi al kotel ? Esko pa se moun sa ta souzi al tendil? Ebyen, eh malouzman, si ou konvek de verite ya, ou pa suif li, ou a mwen diyon lot moun, moun sa kozo pedu, ou a pedu yon seman vet moun. Pase ke, ou tende vwa bon die, ou wejte li, ou a tende la vwa de norma. E se lider, yo pa diferent ankor, de, de se farizyen, de se sadusyen, dantan! Pase ke, à cause de hypocrisie yo a que qu'il y a mené peuple bon Dieu en côté mais malheureusement il y a mené peuple bon Dieu à droite vers l'enfer au lieu du paradis droite vers l'enfer frères et sœurs nous pas qu'on dire ça nous pas qu'on dire ça et bon Dieu fait qu'on est que monde s'en rempli dans yo yo la vérité a, oui mais yo pas prêché la vérité a. Les autres, que, mon qui ont ça, bon Dieu, il y un esprit de mensonge. Bon Dieu, quitte vous quoi dans le mensonge même On nous dit ça, non 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 de, Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 7, jusqu'à verset 12 même, que nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons pas capables tout, non 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 7, il dit, quand le ministère de l'iniquité agit, quoi agit déjà. Verset 10 maintenant, en verset 10, dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, les yo, yo de la vérité. Mais au lieu qu'ils aient la vérité, a ont observé que yo la vérité. Et qui ça, bon Dieu fait un retour? On continue. Ça le fait. Il dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Moun sa yo, à cause que vous achetez la vérité, bon Dieu qui te bon Dieu que ça attendait c'est la vérité que lié. Il qui au au quoi dans lié, yo pense la vérité même pour dans ces mensonges que lié. Ça le fait encore, ils vont en puissance, ils sont puissance que lié, oui. Ça veut dire, Mounsao, yo, yo voué à Satan même. Oh, on nous lit. Ça, nous joue dans le premier écrit, page 55, paragraphe 1. Pour comprendre ce que je dis là. premier écrit, page 55, paragraphe 1. Partie en rouge, qui ça dit Je vis le Père se lever de son trône. C'est le jugement, oui. Lorsque le Père se lève, c'est le jugement. Et nous lit ça, parce que dans acte 7, lorsque, lorsque bon Dieu chita. L'IA intercidait et lorsqu'elle levait, c'est le jugement. Maintenant, on nous lit, je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu tressé, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors, Jésus se leva de son trône, il levait également. Et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Donc, lorsque Jésus levait, eh bien, moun qui avec Jésus, moun qui à avec Jésus, y'a pas nous, y'a levé tout. Parce que sont avec Jésus. On continue à lire encore. Il dit, je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus, de Jésus à la multitude insouciante. Cette multitude y'a pas gagné l'amour de la vérité. Y'a insouciante. multitude insouciante. Après qu'il se fut levé, et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Qui est-ce dans qu les ténèbres là Ceux qui sont insouciants. Les insouciants. Mounibagin, les l'amour de la vérité. Pour te souvenir maintenant, disent, ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône et il les conduisit un moment. Donc yo qui ont avec Jésus, il a suivi Jésus. Partout côté que l'allée, et également, il y a prêché le jugement investigatif, il a prêché la fin de ce jugement, parce que jugement, ça, actuellement là, le temps est proche, il presque prend fin. Qui décision, je vous dis, pendant que le jugement prend fin, qui décision, mes frères et sœurs? Parti en gras maintenant, il dit, là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades. Encore, entremêlées de clochettes d'or. Et nous avons une description de ça dans Exode 28, verset 33-34. Portier en bleu, il dit Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient foi vers lui dans le lieu très sain. Ça veut dire que, moun a prié actuellement là, moun sa yo, ou go vers le lieu très sain. Pendant que porte la ouvert, yo wè de l'Alliance, et eh bien, moun sa yo, ou dirigé vers le lieu très sain. Donc, je ne jodia, moun ki pa kouenan pas ça de Jésus, du lieu saint au lieu très sain, moun sa yo, yo la foi en Jésus. Wow! Il ceux qui se levèrent, partis en bleu encore, ceux qui se levèrent avec Jésus, dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu tracé et priaient. Qui s'est eu prier Père, donne-nous ton esprit. Jésus, alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Oh, moi, je moi, ça en pile. Ça y est, je sur eux. Jésus alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle maintenant, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Ce sont des fruits de l'esprit. Ce sont c est, c est des parties plutôt du fruit de l'esprit. Des parties du fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui vient plusieurs portes à D'après Galate 5, verset 22, 23. On calçons ça nous-mêmes. Frères et sœurs, Jésus, pendant que Mounio, yo Jésus, il a suivi qui côté vers le lieu 13, et bien Jésus, ba le Saint-Esprit. Ça veut dire que moun qui pa pas ou encore qui a la vérité du passage de Jésus, du lieu saint au lieu très le, se, le tresse, moun sa yo Recevoir le Saint-Esprit, frère et soeur. Non, 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 non. Et c'est ça que fait. Soit nous, l'Église, côté que, il va mettre en phase sous vérité, ça, et eh bien... Ou chita mou ve kote. Mou ve kote ou chita. Boutire lò pou gen la moun de la verite. Paske sou remen Jezu, li doun sa ke wap gade komadman li yo. E ki, ki kote nou joun komadman yo, an dan lòj de alians. E ki kote lòj la ye, an dan lòj tresen. Don moun ki pa pa e eh, fokus we go yo, ver le lòj tresen, moun sa yo, yo dan lòj mensonj. Moun jò. Ou tu vas être les adventiste, ou tu es être pasteur adventiste, ou tu as un gros doctorat. Si vous ne mettez pas mette en phase sur le le saint, l'arche de l'Alliance, les dix commandements, eh bien, où dans le mensonge, mes frères et sœurs On continue à lire encore. Prochain paragraphe, premiers écrit. An nou e kontrast sa fezi sya Kontrast sa Moun ki gen we goyo fikse sur jesu Ki gen we goyo fikse ver le le trese Ver lanj la liyonse E moun ki pa gen we goyo fikse sur jesu Ou ankor ki we goyo pa dirije Ver le le trese An nou ka de kontrast sa fezi sya Pouye zekri pa 55 paragraf 2 ki sa di Je me retourne pou vòr le group Ki ete reste inkline devon le tron Sa vè di ke moun sayo Se pa pa en yo ye non Moun an de le glizu Parce qu'il y devant le trône, frères et sœurs. Il dit ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Et ça passe, qu'on y a. Satan apparu près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, Satan a personnifié Dieu, frères et sœurs. Ça fait grand pile nous là. Nous, à l'Église, mais malheureusement. Pasteur que nous sommes en bas de la bouche, ancien que nous sommes en bas de la bouche, sous l'impulsion du diable. Et puis, il y a eu joué le pasteur pour nous. Malheureusement, frères et sœurs. Nous devons trouver dans nous, mais nous ne connaissons pas Dieu qui nous déjà. L'équité. L'équité. Et nous lis ça. D'ailleurs, nous lis dans l'Apocalypse. Esaïe, plutôt, Esaïe 8, verset 20, qui a dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de loi pour le peuple. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, c'est dans l'encontre que vous mettez en phase sur la loi. Les dix commandements, le témoignage, le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, on va mettez ensemble. Nous, dans l'erreur, il n'y a, a pas de lumière pour vous. Donc, si pas que la lumière, vous avez une ténèbre pour vous-même. Ténèbre, frères et sœurs. On continue à lire. Qu qu Qu'est-ce ça Satan fait qu'on y a maintenant? Parti, parti en rouge souligné. Il dit Satan apparu près du trône, essayant. Il dit bien, dit, parce que j'aime qu'il fait le travail, mon Dieu. Essayant de faire l'œuvre de Dieu. On ne pouvait ça. Je l'ai vu qui regardait vers le trône et priait. Ça fait prier, oui? Il a dit, Père, donne-nous ton esprit. Notre nous, il a fait même prière à mon monde qui a il fixé vers Jésus ou encore vers le tracé C'est la même prière. Père, donne-nous ton esprit, pas de différence. Mais seulement ça, ça va pas te faire. Ou pas diriger vers le saint. Ils ne a pas lever, ensemble avec Jésus. Lorsque Jésus levé, il ne a pas levé tout pour suivre Jésus côté que pour aller là. Parti en bleu, en nous et ça, Satan vraiment essayé pour le personnifier. Bon Dieu, ça dit, Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance. Mais pas d'amour. Parce que sous amour, vous avez observé la commande de Dieu. Si vous m'aimez garder sa commandements, alors que le diable, Objectif c'est pour capable de détourner nous de la loi de Dieu. Mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire, et avec eux, les enfants de Dieu. Oh, frère et sœurs, Satan, le diable, est pour il est capable de séduire nous. Pour cause nous détourner détourner nous des commandes de Dieu. Parce que pas rien l'amour, pas la joie, pas rien également la paix. Ça fait bon Dieu dit ça que je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et qui est le prince du monde? C'est Satan, frères et sœurs. Donc bon Dieu, pas même j'ai diable lui dit la bonne paix, La bon fausse paix. Oh frères et sœurs, Jodia, nous voulions être capables assurer nous pour nous quitter. pou nou kite lokal sa avek la pe de Diyo fraze se e sak bella mpa bete pati sa diya sou ekran me liye portan pou mkabab di nou se, se, yon, se, se suite an paragraf sa ke nou jweni nan The Day Store son lot liv liye le The Day Store 14 mars 1846 The Day Store 14 mars 1846 paragraf e Li di kon sa ke, moun sa yo ki pat suiv bon Diyo kon degol po a le a, sa yo fe, yo di kon sa ke, yo kite bon Diyo net kon a yo, yo vin touveyon an kompanyi de Satan. De la kompanyi de jans de Satan maintenant. The Day Store, 14 mars 1846. Maintenant, bon Diyo va ta reme sa rivo, il sa fe li di la porte la ouve. Pendan ke l'ouvè porte la, moun baka ferme l pou. Li ouve, on porte a l'eglise de Filadelfie ke person ne peut ferme. En tournant en, 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 en maintenant. Apocalypse 3, maintenant. Apocalypse 3, verset 8. Qui ça le dit Verset 8 encore. Il dit comme ça. Il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous presque finis. Nous presque fini, Presque fini. D'ailleurs, nous pouvons déjà que ma fait pile et forme en pile encore. Il pile effort. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Il pile effort, frère et sœurs. Bon Dieu, ouvre une porte que Moun monde ne fermer. Verset 9 maintenant. Bon Dieu, pour ajouter une promesse. Cette promesse, ça. Il dit Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. D'ailleurs, n'a pas à gaffe pas soit dit à nous, ça, moun qui devant trône, non, il c'est pas ces petites bon Dieu. mais e, mais pourtant, il y a recevoir une mauvaise influence, une influence maléfique. Verset 9, il dit, voici, je te donne de ceux, de la de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ça, vous fait Ils mentent. Donc, ensuite, il continue pour le dire, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bon, bon Dieu voulait révéler l'amour à nous-mêmes. Bon Dieu voulait pour le capable de montrer nous que, nous, nous que nous aimions nous, mais nous-mêmes, est-ce que nous aimons, bon Dieu également? Est-ce que nous aimons Dieu également? D'ailleurs, dans Romains chapitre, chapitre 5, il dit que Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais, mais, qui ça le fait? Il mourit pour pour sauver nous du péché. Il mourit pour sauver nous du péché. Mais malheureusement, nous-mêmes, ça que nous faisons, nous appelons de crucifier Jésus par vos péchés continuels. Et 6, verset 6, il dit que nous continuons à, à, à pécher contre bon Dieu chaque fois que nous péchons. Nous, nous, qui ça nous fait? Nous crucifier bon Dieu à nouveau. Nous crucifier bon Dieu à nouveau. Ça fait dire ça que nous ne pouvons jamais résister jusqu'au sang au péché. faut que nous fidèles à bon Dieu jusqu'à la mort. Et c'est là que la, ben nous avons la couronne de vie. faut que nous fidèles. Mais maintenant, il dit comme ça, on dit, 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 dit Philadelphie, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et texte ça, Jean Télili, d'après Esaïe 60. Esaïe 60, c'est là que bon Dieu t'a fait premier première promesse à peuple Israël que l'idée dit que l'autre nation vient poster de devant vous et qu'on n'est que moins aimé. On dit ça. Esaïe 60, 13 et sœurs. 60. Pour, pour nous, c'est que texte ça vraiment les connecter à l'observation, à l'observation de la parole de Dieu, les connecter à la bénédiction que l'on peut recevoir si nous étions fidèles à la loi de Dieu, au, au commandement de Dieu, et non, et non encore, et non euh, euh, aux traditions humaines Esaïe 60 Verset 14 d'abord Esaïe 60 verset 14 Qui ça le dit? Il le dit les fils de tes oppresseurs Les fils de qui? De tes oppresseurs Viendront s'humilier devant toi Et tous ceux qui méprisent Et tous ceux qui te méprisaient Se prosterneront Se prosterneront devant toi À tes pieds plutôt Ils t'appelleront Ville de l'éternel Sion du saint d'Israël. Verset 15. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Donc, bon Dieu promet nous une bénédiction éternelle que Moun, Papa Caprenam nous, mais faut que nous suivent parole bon Dieu, hein? Jean que bon Dieu dit là. On continue à lire. Verset 16, il dit Tu suceras le lait des nations. Ça fait Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'éternel ton sauveur. Ça fait dire pour ça que, dans Apocalypse 3, il dit ça que Et je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est la même connotation. Mais, Guillaume, va y que Ferdel fait. Ça a été fait. C'est ça, ça que je connais tes œuvres. Wow. Ça veut dire que l'œuvre, la Odyssée, était en, en harmonie avec la parole de Dieu. L'église de Ferdelphie, merci. L'église de Fère était en harmonie avec la parole de Dieu. Et comme nous connaissons la Odyssée, elle venir ensuite. et eh bien, malheureusement, imaginons, Ferdelphie, qui vient immédiatement avant la Odyssée, elle était en étroite communion avec Bon Dieu. Et soudainement, la est vient. Bon Dieu vient trouver le dehors la Odyssée. Bon Dieu vient Jésus Jez... bon vient trouver le connard à... n'importe de la frapper. L'a essayé d'entrer et malheureusement frères et sœurs, nous pas jamais on côté que Bon Dieu entrant dans la Odyssée. Waouh Pas jamais ça. Ça veut dire travail la Odyssée finit individuellement. De même que le peuple juif a été rejeté, et maintenant le salut qu'on y a, le salut qu'on y a, Livine, permis aux juifs de façon individuelle, de même aussi le salut, peuple ça, qui est le peuple bon Dieu, également. Dans le moment que mort de la bête pour le prononcer, eh bien, il y a salut à la vie individuelle. Et c'est là que nous parlons de gens qui disent comme ça que, les que ça sont en conférence, nous parlons de vraiment de qui étaient les vrais adventistes du 7e jour au moment de cette crise de la mort de la bête. Yes. Donc, frères et sœurs, bon Dieu, il vient pour le garder, les qui fidèle à lui-même. Et le bon bénédiction, il dit comme ça que... Le sa moun apwe kem teremon. Le nasyon yav vin posen devan. Porsi ke le sa na vin de, nab vin yon jenerasyon wayal. Jan di. 1 Pierre 2 verset 9. Mel dizak li aplo de tenebre. A son admirable lumièr. Pou et kwa? Pou et an wotou de lumièr dan se moun. Dapre matu chapitre 5. Yes. Donk eske moun zik ap kontesou. Pou moun lumièr nan moun glan jounen joudia. Eske ap kontesou fran se sèr. Donc, bon Dieu, liban nous miséricordie. Et de même également, bon Dieu, tes bails, la odyssée, ou encore, les téprouvés miséricordie à la odyssée, les téprouvés l'amour, à la odyssée, comment te fait ça On retourne maintenant à Apocalypse chapitre 2, 3, verset 8, pour nous, l'amour, bon Dieu, lit téprouvés à la odyssée. Koman moun jote te, te, te prouve la odise ke lte apresye evlio? Koman moun jote te prouve la odise ke lte kontan de bon travay ke lte afeyo? Koman moun jote te, bon te montre la odise ke lte e satisfe de des evre de Philadelphia buto? Philadelphia, doujou ap di la odise. Me fasi so, se pablie nou nou ap etize Philadelphia. Donk nou ap pouen kote ke mwen, anpil kote ke mwen di la odise, nou ap ap se mwen Philadelphia. Oh, et nous mettons seulement considéré qu 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 que mon Dieu t'a trouvé à l'extérieur de la Odyssee. Maintenant, ça c'est la vraie la Oui, Apocalypse, chapitre 3 toujours. Mm -hmm. 3. Et nous sommes pour nous étudier. Apocalypse 3, maintenant, verset 8. Comment mon Dieu peut approuver, pour montrer que lui a approuvé Philadelphie Comment peut approuver ça Apocalypse 3, verset 8, frère et Qui ça le dit Il dit Je connais tes œuvres. Ça le connaît Je connais tes œuvres. Attendez, oui. Voici, parce que tu as peu de puissance, tu as quoi? Tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Maintenant, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça veut dire que Philadelphie, malgré que tu malgré que n'as pas fort humainement, il était manqué de puissance humainement, mais tu as été fidèle jusqu'à la mort. Samedi là, nous gagnons peu de puissance. D'ailleurs, bon Dieu dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous pas puissants, nous pas de force de part de nous-mêmes. Dieu est notre force. Nous sommes faibles, mais bon Dieu promet nous que si nous faisons de Jésus force le a n'a fait toute bagaille. n'a pas puissant. Bon Dieu, les félicités faire les filles. Malgré côté pu, pas pas puissant, tu as peu de puissance, mais malgré ça ou garder ma parole pour qu'il' sachent ce que a été fait Jésus au cette clé ou encore cette clé qui leur a été donnée cette porte qui leur a été ouverte ils ont été entre la dent. ils ont été suivre Jésus tout côté que qu'ils aller et depuis vous sont avec Jésus où il y a puissance ce texte nous dit dans Philippiens 4 verset 13 qui dit je puis tout pour qui pour celui qui me fortifie et qui a, qui a notre force c'est Jésus ne Nazareth. C'est notre force. Donc, nous, appliquons ça à la bonne Qui application, 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 est l'application à la bonne chose? Application, c'est que malgré que nous tentons, malgré que nous soumettons à la tentation, mais si nous étions en bas de dieu bon Dieu, bon Dieu ne tomber pas nous tomber dans la tentation. Ça me dit là. Malgré que nous faibles humainement, lorsque nous soumettons à, à la tentation, lorsque nous soumettons aux, 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 aux tentations de, de l'ennemi, « Bon Dieu, pas quitter nous tenter, parce que nous soumettons à lui-même. » On nous lise, frères et sœurs, on nous lit 1 Corinthiens 10, verset 13, ensemble avec moi. Pour nous être que bon Dieu nous. nous. ne vais pas quitter nous à sa promesse. Ça, c'est fini, frères et sœurs, ça, c'est fini, oui. Parce je me promet que nous allons dire à trois même. Nous allons dire à trois Un 1 Corinthiens 10, frères et sœurs, 1 Corinthiens 10, verset 13, qui ça en dit? 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation maintenant, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez, vous puissiez la supporter. Donc qui est-ce qui a puissance pour une sortie en bas de la tentation C'est Jésus de Nazareth. Il pas jamais qu'ils ont tenté au-delà oh, de vos forces frères et sœurs non jamais Donc moun lorsque yo tenté et puis yo dit et pas faute moi non bon Dieu ouais et pas faute moi non ou c'est venu il vient pas faute moi eh bien, c'est moun qui peuvent suivre bon Dieu. Il ne suivre. Il ne pas quitter fixé vers le lieu très saint. Ou encore, il ne suivre Jésus côté il y a dans le côté côté que bon Dieu. Eh bien, les gens, puisque le regard pas fixé vers bon Dieu, il est tomber dans la tentation. Oh, frère, je ne pas c'est moi. Mais on ne peut pas faire. Il faut en étroite communion avec bon Dieu. Il faut que regard toujours fixé sur bon Dieu. Oh, on nous lit. Ça nous dans les premiers écrits. Page 46, paragraphe 2. Premier éclat, 46, paragraphe 2. Qui ça dit Si nous triomphons des épreuves et si nous remportons la victoire sur les tentations de Satan, alors nous endurerons l'épreuve de notre foi. Ça fait Nous endurerons l'épreuve de notre foi. Plus précieuse que l'or. Texte dans Jacques, chapitre 1er. Également, un pierre, premier verset 7. Il dit comme ça que Et nous serons plus forts. Et mieux préparé pour affronter celles qui viendront encore. Ça veut dire que à chaque fois où on porte une victoire sur la tentation ou encore à chaque fois où existe l'ennemi, et eh bien, bon, ce plus force pour résister, la tourner encore. Et nous parler également à chaque à chaque fois qu'on tombe, également ou une plus faible pour la prochaine tentation. En nous dit ça, il dit mais si nous succombons aux tentations de Satan. Nous nous affaiblirons, nous n'obtiendrons aucun bénéfice de l'épreuve et nous ne serons pas préparés pour triompher de celles qui suivront. Nous deviendrons de plus en plus faibles jusqu'à ce que nous soyons captifs de la volonté de Satan. Oh, mais ça fait Bon Dieu, livre veut Encore, bon Dieu, il un port une porte devant Jésus. Que le monde ne pas fermer. La porte, c'est le victoire sur le péché. Si vous ne Jésus, si vous ne pas fixer sur Jésus, et Eh bien, pas tomber chaque jour dans le péché. Et eh là, sa, Satan, il y a domino au lieu que vous dominez le péché. Et eh bon Dieu, il veut victoire sur le péché. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est venu mourir. Matthieu 1 ou après l'Él, Jésus quand il sauvera son peuple de ses péchés Le sa ou pas sauver mais ou périr dans le péché au parti en bleu ça dit il nous faut que ça nous besoin qu'on a ça il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu et être prêt à tout moment pour affronter les puissances des ténèbres. Lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, allons à Dieu. Ça pour nous faire, allons à Dieu et implorons son secours. Il ne nous laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre l'ennemi. Amen. Oh frère, je ne pas plus, frère, ça, me me force. Sous moi, frères et sœurs, On ne vais en dessous. Parce que bon Dieu fait qu'on est que sous Vinjouni, la bonne force pour qu'on vaincre l'ennemi. Oh, malheureusement, en plus, il faut prêcher dans l'église que nous avons péché jusqu'à ce que bon Dieu vienne. Oh, nous avons jamais gagner la victoire sur le péché. Mais ce n'est pas ça la Bible enseignée. Ce n'est pas ça l'Esprit de la Prophétie enseignée. C'est que si nous toujours aller avec Jésus, nous nous de l'âme, de Dieu, eh bien, nous avons force pour nous vaincre le péché, frères et sœurs. D'ailleurs. 1 Jean 3, verset 4, dit que que. Moun qui dans bon Dieu, ou pas qu'à péché. » On lit ça, 1 Jean 3, verset 6, 1 Jean 3. Verset 7, je crois, verset 7, 8. 1 Jean 3, verset 6, 1 Jean chapitre 3. Le, le verset 7, surtout, on commence là, verset 7, il dit, on commence dans verset, verset 4, mais, verset 4 même, verset 4, yes, verset 4. Ça le dit. Il qui qu'on pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. Mais bon Dieu, il ouvre la porte là, que personne ne veut permettre. Et en d'un porte ça, nous jouons le lieu tracé, nous jouons l'arche de l'Alliance. Et à l'intérieur de l'arche nous jouons les dix commandements, la loi de Dieu. Et bon Dieu voulait que la vie nous régit par ces lois. Bon Dieu. Pas rien, pa ou encore li pas content ou encore li vrebonne victoire pour nous capable d'observer le royaume et non transgresser. Mais pour faire ça, il faut que fixer sur Jésus parce que le pavlo péché. Et si vous ça, vous garantissez victoire sur le péché au nom de Jésus. On continue à 5. Il dit Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Pour ça, il Jésus a paru pour ôter les le péchés. Et quiconque, et, et, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Moun qui demeurait en Jésus et qui de Jésus demeurait en vous également. D'après Jean chapitre 15, verset 5, eh bien, où va pécher? Verset 6, il dit Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pèche ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Verset 7, il dit, petits enfants, que personne que ne personne vous séduise. Et qui ça le diable a fait Il a séduit nous. Il a séduit les habitants de la terre, frères et sœurs. On continue verset 8, verset 7 plutôt, il dit, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8, Mais verset clair, ça dit. Celui qui pêche est du diable. Point Celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparu a fait de détruire les œuvres. Verset 9. Quiconque est né de Dieu. Ah. Quiconque est quoi? Quiconque est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. C'est la nouvelle naissance. Vous, né de nouveau. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, ce si n'est de nouveau on peut pas péché. pécher. Bon Dieu, il faut qu'on mette ça, oui. Bon Dieu, vini pour le retirer les œuvres du péché. Mais il faut qu'on est de nouveau. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte ça lui à qui vient en même Acceptez-le. D'ailleurs, Jean 1er dit comme ça que... Il dit, verset 11, il dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais par contre, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, Dieu a beau pouvoir, frères et sœurs. Mais il faut recevoir un avou. Il faut recevoir, lire. Oh, on continue à lire. Premier écrit, page 47, paragraphe premier. Paragraphe 1, qui ça dit? Dieu m'a montré qu'il donnait à son peuple une coupe amère à boire. Ça le Une coupe amère à boire. Afin de le purifier. Donc, il y Lorsque problème a tracassé nous, bon Dieu, quittez ça pour vous purifier. les objectif. Et sont vous purifier? Et si vous avez me purifier, il faut -ce cette coupe amère. C'est objectif. On continue. Il dit. C'est un bouevage désagréable. Iba gounou? C'est un bouevage désagréable. Men ki le sera bien davantage si nou moumou. Donk, loske wap pase nan troubio nan problem yo, tep ou moumoure, se tep ap vim pi mal pou. Bon, Diyo, vle pou gen la jwa. Men de le problem, de le dificulté. E sa fe di ou sa? Dans Philippiens 4, il dit, réjouissez dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous également. Jacques 1er également. Verset 3, 4, qui dit tout ça, que c'est pour nous gagner la, la joie. Lorsque nous passé à travers les tentations, les, les difficultés, les problèmes, c'est pour nous gagner joie. Joie dans le visage de nos frères et sœurs. Parce que plus nous murmurez, ça le fait, c'est plus divine pi mal. On continue à lire encore. Il dit, nous devrons alors en absorber un autre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on murmure, bon Dieu, boit plus encore. Il bon deuxième encore. Si le premier n'a pas produit l'effet voulu sur le cœur, et si le second ne réussit pas, il faudra en absorber un autre jusqu'à ce qu'il produise l'effet désiré. Sinon, nous resterons impurs. Waouh! Ça veut dire que, A chak fwa nan problem, bon se fwa problem pou purifyo, e a chak fwa ou mure mure ou di bon se pou ki sa se mwen me zami, ou se nye, sa trope pou mwen, pou ki sa se mwen. Be mwen pou se zake wap plen, e be ok, bon bon lot anko. Pas se gen li patase pou ou ka pa le gonya, e be bon bon lot anko. E di zake si ke ou pa jam chanje, ou ete lwa plen toujou, on lwa prete impyo net. Et c'est ça, parole ça. Dans Apocalypse 22, verset 11, pour le prononcer sous celui qui, qui, mon, qui est injuste, la prété plus injuste. Ça, méchant, la plus méchant encore. Est-ce que tu as ça prononcer sous Je ne vais pas aimé ça moi-même. Et ça fait, à chaque problème qui est dans la vie, oh, je dis, bon Dieu, bon, force, bon courage, je vais supporter. Mais si vous Je vous plaignez, vous dites, oh, pour ça, c'est moi, Seigneur. pourquoi, oh, bon Dieu, est même vrai, mes amis. Au pour que ça s'est monté, ben, ça s'est arrêté. Pourquoi le bon Dieu existe Il y a des gens qui même doutent de l'existence de Dieu parce qu'ils ont passé dans un problème. Ils de, de l'existence de Dieu. ça bon Dieu fait. Il a ajouté sous a Ajouté pour. Ça veut dire que lorsque nous avons un problème, nous n'avons pas besoin de quitter le monde qui connaît ce problème même. Marcher avec Danouguin comme ça. Yes. On continue à li lire encore. Il dit, j'ai vu que cette coupe amère. Peut être adouci. Pourquoi? Pour la patience, la persévérance et la prière. Pourquoi? La patience, la persévérance et la prière. Il faut patient. D'ailleurs, et ça fait bon Dieu dit comme ça, lorsque Vin la dit voici ceux qui gardent, voici les saints. C'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandes de Dieu et la foi de Jésus. Il faut une patience. La persévérance également. Également la prière, c'est qu'on s'apprête avec en harmonie avec bon Dieu, même dans les épreuves. Patient, on oh souligné souligner, il e dit ce n'est pas peu de choses, ce n'est pas peu de choses que d'être chrétien. Il avait dit chrétien, c'est pas un petit bagage que lié. C'est pas un petit bagage, frère et soeur. Le chrétien, ou, ou fait de où ou fait de a agent du Christ. Et pas oublier, le Christ était persécuté. D'ailleurs, il disait que même j'ai si été persécuté, il y a persécuté tout. Donc, le fait que vous choisissez une chrétien, eh bien, parole, ça qui écrit dans 2 Timothée 3, verset 12, les pour tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Point Partie en bleu maintenant, il dit Le Seigneur m'a montré quelques-uns de ceux qui prétendent croire à la vérité présente. La vérité présente qui prétendent quoi à la vérité présente, mais dont la vie ne correspond pas à leur profession de foi. Le niveau de leur piété est beaucoup trop bas et ils sont loin d'atteindre la sainteté biblique. Ça dit, quelques-uns se livrent à des conversations vaines et déplacées, d'autres cèdent à l'orgueil. Nous ne pouvons rechercher ce qui nous plaît, vivre et agir comme le monde, chérir sa compagnie et ses plaisirs, puis régner avec le Christ en gloire. Ça fait que porte ça ouvert devant. Porte là ouvert devant, mon frère. Les lois de Dieu, on ne peut pas oublier, on ou ne peut pas rejeter, ou ou frères et sœurs. C'est pour faire standard de la vie. Ou. Paske bon Diyo ap use de pasyans anver ou menm. Livlo wepanti, melonge ba ou, set koup amer, problem ki nan la vou yo, yo la pou purifiye ou, men pa plen, pa mou mure, paske plus ou mou mure, se plus problem yo am vin pi red. Oh. E se sak fe. Mate, pwennan ke m ta fe devosyon, m te rive sou la vi de Jean-Baptiste, e m te asyre m ke, mette, mettez parole ça dans tête la vie de Jean-Baptiste lorsque me la parole ça surtout dernière phrase que je pour pou nous parler là ça que Jean-Baptiste était appelé pour te, pou te faire partie de souffrance mon Dieu elle dit que Jean-Baptiste boit une coupe amère mais Jésus il boit cette coupe amère jusqu'à la lit oh frère et sœurs tout d'abord on n'y pas ça parce que qui à comprendre comment fait Jean-Baptiste celui qui, pré, qui a préparé le peuple pour la première de Jésus, il passe misère ça. Son mystère lié aux yeux du monde. On nous lit ça, Jésus-Christ. Page 210, paragraphe 2. On a fini avec, a fini avec deux, deux, deux derniers paragraphes, ça. Deux paragraphes seulement. Jésus-Christ, page 210, paragraphe 2, ça dit. Il dit Aux yeux de grand nombre de personnes, un mystère plane sur le sort de Jean-Baptiste. Nous sommes Jean-Baptiste, passé dans la prison, Ali Matthieu 11. Il était dans la prison. Ali Mark 6 Ali Luke 7 pou nou e koman Jean-Baptiste Fini men franseur dekapite pou un postitue a kos de un postitue Et on décapité celui qui prêche la parole de Dieu. Alors que Malachi 4, verset 4, a se dit que Jean-Baptiste a venu avec la puissance d'Eli. Et Eli était transcendé au ciel. Mais Jean-Baptiste était décapité. Et c'est ça qui fait pour Pile Ça S'arrêter un mystère. Mais en nous dit sa inspiration, dis-nous, De Jésus-Christ. Page 210, paragraphe 2, il par dit Aux yeux d'un grand nombre de personnes, un mystère plane sur le sort de Jean-Baptiste. On se demande pourquoi il a dû languir et mourir en prison. Si le mystère d'une providence obscure est impénétrable à l'œil humain, il ne saurait ébranler notre confiance en Dieu. Pourvu que nous nous souvenions du chose, j'en n'a fait que participer aux souffrances du Christ. D'ailleurs, si le Christ a souffert, son précurseur devrait souffrir également. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes également, quand prêcher le second retour de Jésus, eh bien, nous avons souffert tout. Mais nous connaissons que si nous souffrons avec lui sur la terre, nous réunions avec lui où Dans les cieux, mes frères et sœurs. On continue à lire. Un petit en bleu souligné Quiconque veut suivre le Christ doit accepter la couronne du sacrifice. Waouh Quoi Quiconque, en nous liant, quiconque veut suivre le Christ doit faire quoi Doit accepter la couronne du sacrifice. On sera méconnu par des hommes égoïstes. On sera en but aux terribles assauts de Satan. Son royaume se propose justement de détruire ce principe de sacrifice de soi-même. Aussi luttera-t-il, qui Le diable. Aussi luttera le diable contre lui partout où il le rencontrera. Donc, partout que où il y a qui fait un sacrifice pour mon Dieu, eh bien, le diable y a persécuté tout ça. Et le fait que vous deveniez chrétien, eh bien, vous mettez corps à part pour le service de Dieu, eh bien, le diable vous persécutera. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort, mes frères et sœurs, comme Jean-Baptiste. Et mes paragraphes qui t'es plus attiré, attention, non, Jésus-Christ, par 218 maintenant, Jésus-Christ, par, Jésus par 218, Malheureusement, je vais mettre en anglais, je Desire of Ages, page 218, paragraphe 1. Je ben vais pour nous. Il dit Principe de base, la vie Jean-Baptiste, son vie de sacrifice. C'est principe ça également, qui est principe, royaume, bon Dieu, parti en j'ai dit ça. Principe, vie à ça, qui c'est une vie de sacrifice, une vie de reniement de soi. Eh bien, principe ça, c'est lui-même qui principe également le royaume de Dieu. Donc, tout le monde qui voulait entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait une vie de reniement de soi. Et, parti en rouge, maintenant, il dit, Jean, il dit, He », ça c'est Jean. Jean, qui c'est le précurseur de Jésus. L'idée ça que lité a boue, même coupe ça que bon dieu lui même était jusqu'à la lit. Ça veut dire que qu'on y a ça pas rien parce que bon dieu qui est en bwa pour là jusqu'à la lit. Soit prend par rien par rapport à ça Jésus te prend Réfléchis à ça. À chaque fois que vas passer dans un problème, réfléchis à ça Jésus te prend pour. Parce que les livrés en place comme une rançon. Comme une rançon pour nous-mêmes. Si je ne suis pas passé par là que tu es passé, où tu as pis mal toujours. Dis mon Dieu merci pour sacrifier chaque jour. Et mon Dieu, faut qu'on ait que souffrir avec lui-même. Là, dis que ça que qu'on ait une œuvre. Même, même, je te connais Philadelphie, parce que même lorsque nous avons un peu de puissance en tant qu'homme, eh bien, nous les parole et la porte ça qui ouvert pour nous. Et pas plus jamais c'est pour de bénédiction.